renforcer la cohésion sociale qui est dans une dynamique. Renforcer la réconciliation sociale, la réconciliation nationale, la réconciliation. Et cette dynamique est née depuis le 27 juin. Après la rencontre qui a eu lieu entre le président Alassane Ouattara et le président de c'est donc normal aujourd'hui que nous soyons là, parce que d'abord, c'est la création d'un nouveau parti qui va donc venir renforcer la démocratie et participer à la vitalité démocratique et sociale. Mais surtout, que celui qui crée ce parti, c'est un ancien chef d'État, c'est le président Laurent Gbagbo. Et quand on sait que notre pays a traversé donc de graves crises et des incompréhensions, mais cela est derrière nous, comme le dit le président Alassane Ouattara, pour les générations à venir, il est bon que les relations se consolident. Donc je suis là, porteur donc le message du président Alassane Ouattara, qui se traduit donc par la consolidation, le raffermissement de ses relations avec le président Gbagbo et la consolidation donc de la cohésion sociale et de la stabilité. Laquelle stabilité passe par donc la capacité des acteurs politiques que nous sommes à nous mettre au-dessus de certaines incompréhensions. Merci. Je vais juste le saluer. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ensuite, l'opposition ivoirienne pour une nouvelle aventure.
D'accord. Les attentes, vos attentes par rapport à ce nouveau départ là. Mes attentes, c'est que une feuille de route claire qui rassemble tous les joueurs de Bosch puisse être déroulée pour qu'on puisse passer à la deuxième phase de la rassemblement. Merci beaucoup. Non, c'est juste le direct. Comment ça va? Le photo, je t'apprête. Oui, effectivement. Ouais. D'accord. Ok, merci. Libérez un peu. Non, ça va, ça va. Allô? Allô, présidente. Oui, votre présence ici. Vos impressions? Je suis contente d'être là. Okay. D'abord parce que j'ai été invitée. Okay. Surtout parce que j'aime bien aussi la vie. Ok, merci bien, présidente. Merci, ça va bien. Merci.
être parmi les ceux qui veulent être, avoir des messages traduits en anglais. Et finalement,